Mon dossier criminel. Où t'as pris ça? Je suis rentré dans le système canadien de données criminelles. Tu peux pas faire ça. C'est illégal. Comme si ça te dérangeait. Hey, tu peux te retrouver en prison à cause de ça. Non, je passe par un serveur fantôme. Je me fous de comment tu fais. Arrête ça, tout de suite, OK? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Comment ça va, Karen? Je t'ai demandé ce que t'es venu faire ici. Rien. C'est Jonathan qui est allé voir son père. Non, tu me la feras pas, celle-là. Mon gars servira pas de messager entre toi et Bob. Hein? C'est-tu clair, ça? De quoi tu parles? Tu sais parfaitement de quoi je parle. Maman, tu peux pas parler directement avec Bob parce que t'as pas le droit d'aller le voir en dedans, mais Jonathan, il peut, lui. Non. Toi, tu te tais. Sors de ma maison. Suite! OK, OK. Ouais, mais... oui. T'es sûr qu'elle n'a pas été suivie? OK. Parfait. On est correct. Mais là, c'est quoi, ça, là? On s'était dit que c'était juste entre toi et moi? Non, mais... que je vous save, Karen. De toute façon, avant de commencer, là... Bon, mais peu importe ce qui arrive, là, toi et moi, on s'est jamais vu, OK? Je tiens à dire que ce que tu fais, c'est dangereux. Non, ce qui est dangereux, c'est pas ce que je fais, c'est ce que vous pourriez en faire. Je vous connais, vous autres. Mais ça, vous vantez tes affaires-là, hein? Je l'ai vu, puis elle m'a dit ci, puis ça, à propos d'un tel, puis... Karen, je suis plus dans la police. Connais-tu des motards qui ont été impliqués dans des cas de divorce un peu avés? J'ai témoigné dans une couple de causes, oui. Puis t'as témoigné en faveur de l'épouse ou du motard? En faveur de la vérité. Comment tu penses que Bob réagirait? Comme un homme normal, j'imagine. Frustré, choqué. En maudit pour un bout, surtout s'il y a de l'argent impliqué. Non, l'argent, je m'en fous. Ce qui m'inquiète, c'est mes enfants. Parlant d'eux autres, pas mal stupide ce que t'as fait, là. Kidnapper tes propres enfants. Non, j'avais mes raisons, OK? Tu as donné les maudites bonnes raisons pour te démolir devant le juge. Pas qu'il y a le plus à perdre là-dedans, hein? Là, si j'ai bien compris, tu veux que je témoigne contre Bob. Penses-tu que ça pourrait m'aider? Je pourrais confirmer qu'il est président d'une gang de motards, appelée les Sixers, mais ça n'en fait pas un mauvais père pour l'autre. T'es en train de me dire que je devrais oublier ça? Non, non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça. Ce que je dis, c'est... fais donc ce qu'il y a de mieux pour toi et tes enfants. Le reste, c'est pas de mes affaires. Quelque chose que je peux te dire, par exemple. Si Bob Durel pogne 25 ans de prison, t'as plus de problème. J'avais jamais vu ça comme ça.
Hey, assieds-toi. Excusez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça va? Bien. Bien. Ouais. Maman s'est sentie mal, puis elle s'est retrouvée à l'hôpital. Mais tout est correct, là. Écoute, il faut que je te dise quelque chose. Non, minute. Il est arrivé quelque chose à ta mère? Ouais. Mais c'était pas grave. Papa, écoute, il faut que je... Non, écoute-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, moi. Mais tout est correct, je te dis. Il est arrivé quelque chose à ta mère, mais tu sais pas quoi. Je suis pas un docteur, moi. Pourquoi tu m'as pas appelé tout de suite, hein? Sais-tu quoi? Je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Mais oublie donc ça. Assieds-toi. Ouvrez la porte. Jonathan, viens ici. Rappelle-moi quand tu vas changer d'air. Jonathan! Ouvrir! On va marcher un peu. OK. C'est quoi, là? On a été patients. Bien patients. Tu dois 700 000 au chapitre de Montréal. C'est pas de tes affaires, c'est plus ton chapitre. Ah. T'es rendu national. Ta dette a été contractée sous ma présidence. Fait que pas laisser d'affaires en plan, j'ai avancé les 700 000 pour toi. Monsieur Racine ici est tellement généreux qu'il a payé ma dette. Tu pourrais peut-être dire merci. Ben oui. Gars, contrairement à ce que tu penses, là, moi, j'ai rien contre toi, mon mêlé. On n'est pas d'accord sur bien des affaires, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? La vie continue. Puis là, tu me dois 700 000. Ce qui est pas grand-chose. Je veux dire, c'est pas grand-chose si t'as quelque chose qui roule pour toi. Mais si t'as rien, c'est certain que ça pourrait être un problème. Premièrement, je t'ai jamais rien demandé. Puis deuxièmement, regarde, c'est pas... Tu vois, c'est tout le temps la même hostie d'histoire. T'essaies de sauver la vie d'un gars, il vient te cracher dans la gueule. C'est de même que tu veux prendre ça? Hey! Une semaine, puis je veux avoir mon argent. Tout mon crise d'argent. Karen, l'autre soir. Oh, ça, c'était stupide.
C'est qu'il y a qui va pas, mais... Pourquoi ça marcherait pas? Elle n'a pas l'air de bonne humeur. Je suis fatiguée. Fatiguée de m'inquiéter pour toi. Pendant que tu te cachais, là, j'arrêtais pas de penser à toi. La vie que tu mènes. Si tu parles, qui va s'occuper de moi? Je ne vais pas t'inquiéter de rien. Tu vois, tu n'essaies même pas de me convaincre que j'ai tort, parce que tu sais que j'ai raison. Tu peux te faire tuer n'importe quand. J'écoute les nouvelles, puis je lis les journaux. Je suis au courant, tu sais, pour toi, puis Bob, puis les Matadors, puis les Sixers. Peux-tu changer de sujet, là? Je te vois mourir 20 fois par jour. Je suis plus capable de vivre ça. Mom. Personne qui m'a donné de break dans ma vie. Fait que mes breaks, c'est moi qui les fais. Simple. Bob est plus capable de livrer. Il est en prison. Donnez-y un break. Mon vieux chum des biens, il est mort de rire. Il vend partout. Ça a l'air qu'il y a un nouveau deal sur la rue. T'achètes une ligne, t'en donnes un autre gratis. On va s'en occuper. Ouais. Yeah. Je te dis une couple d'affaires, tu sais pas. On l'a déjà vu, celle-là. Je veux dire, t'es pas dans une situation facile. Non, ça va. Comment, je le sais. T'as parlé à Bob l'autre jour, il a le faux cul. C'est tout le temps même à cette patente. Il y a un frère qui s'en va dedans, il demande à un gars dehors de s'occuper de ses affaires, puis il est jamais content. Fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça, gaffe. Tu vois, Lenny? C'est toi qui gère le trouble, c'est lui qui veut tout contrôler. C'est ton show, Ciboire. Lui, c'est un membre inactif. Fait que tu fais de ton mieux, puis le reste, mais qu'il mange de la marde. Tu sais, il a pris 6 mois, c'est son affaire à lui, c'est sa décision. Toi, c'est une autre affaire, ça. Tu vois pas ça, hein? Il se fait arrêter le soir du vote avec un morceau. Ça me semble assez clair pour moi, hein? Il veut pas venir avec nous autres. Ouais, sauf que... Il y a pas de sauf que, la chienne, il a pogné, c'est tout. T'es pas obligé de dealer avec ça, les gars. On a nos affaires, on n'a pas besoin de lui. Mais oui, là. Le gars, il se pique. Dis, je le vois. Pourquoi? Une couple d'affaires qu'il devrait savoir. Comme quoi? Lenny. Tu poses trop de questions. Allez, va-t'en, mon Gilles. Toi, jeune fille. Salut. OK, les gars, let's go. Qu'est-ce qui se passe? On a un mandat d'arrêt contre Jonathan Durel. Maman? Qu'est-ce que vous voulez? On cherche votre fils. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ton ordinateur, il est où? Étouffe-toi. Mais tranquille, là. Je veux voir ton mandat avant. T'as pas tes couleurs encore, ça reste tranquille, le jeune. Fuck off. Jonathan, descends tout de suite! Maman? C'est un mandat. Mais pourquoi un mandat? Ah oui, là, c'est... Ça va prendre combien de temps, ça, là? On attend que ça prenne. Attends, Sarah, toi, tu restes ici, là. Voyons, Matt, t'es enceinte, OK? Je reste avec toi. De toute façon, je veux pas rester ici tout seul. C'est pas le temps de poser. Non. Là, pourquoi qu'elle porte tout l'équipement, là? Bon, ben, on y va, là. Hein? Bon, j'ai... T'as toutes tes clés? Oui. T'es sûre? Oui. Puis tu te la fermes. S'il fallait que ton père apprenne ça, là, tu t'en trouverais dans un bootcamp, ce serait pas long. Le plus d'ordinateur. Tu restes dans la maison pour minimum une semaine. Un mois!
T'as compris? Ben oui. Un dossier criminel, sais-tu ce que ça veut dire, ça, Jonathan? Ça veut dire que chaque fois que tu vas faire application pour une job, là, ton nom va sortir. Tu pourras même plus aller aux États-Unis. Parfait. J'aime ça, les States. Tu penses que c'est une joke? Non. Mais j'espère, parce que t'es en train de manquer le bateau, mon chum. Jonathan, la vie passe devant toi, puis tu le vois même pas. OK, va-t'en. Je veux plus te voir la face pour un bon bout, tu es clair? Ben oui. Damn it. Non, c'est ça le deal. Je te donne les clés, le code du système d'alarme, puis tu touches pas à mon gars. Il y a une limite à ce que je peux faire. Non, c'est à prendre ou à laisser. OK, disons qu'on tient sa mort, il plaide coupable, il pogne une couple d'heures de travaux communautaires. C'est le mieux que je peux faire. Non, c'est pas assez, ça. Écoute, il s'est fait pogner la main dans le sac. Il plaidera pas coupable, un point, c'est tout. Je vais voir ce que je peux faire. OK. OK. Bon, là, j'ai tout ce que j'ai besoin. Clé, mandat, tout ce qu'il faut. Ça va donner quoi? Tu auras le temps dedans? Bien, justement. On a le temps, là, de le faire comme du monde. Puis quand on en aura besoin, on leur lâche ça. Je peux pas faire ça. Sa femme est de notre part. Je sais pas combien de temps elle va tenir. Quand on en aura besoin dehors, ben, on dira, sa population carcérale, ça arrive souvent, cette affaire-là. Je peux pas. Bon, Dieu, c'est notre seule chance. Puis quand on va le pogner pour de bon, la population va comprendre. Ça va être off pour un bout, mais pense à long terme. Tu rends-tu compte la pression qu'il va y avoir, toi? Je sais, mais c'est une chance à prendre. On n'aura pas une deuxième comme ça. OK. Ça va aujourd'hui? C'est toi, Nelly. Je le dépose, ton cash. Je lisais ton horoscope par matin. Tu sais même pas c'est quoi mon signe. Lion. Horoscope chinois. T'es un gars chanceux. Se dit que ta situation financière va s'améliorer d'heure en heure. Ça dit qu'il y a un ami qui va venir à ta rescousse. Moi, j'ai jamais cru à ça, les histoires d'horoscope. Mais faut croire qu'il y a du vrai là-dedans. Hein? Qu'est-ce que tu veux, Racine? Une petite affaire bien simple.
Il meurt. Tu ne dois plus rien. C'est qui, ça? Pas d'importance. Il va mourir. Elle mourir. Je veux savoir à qui j'ai affaire. C'est un chien sale qui se permet de chier sur le terrain des voisins. Mettons que tu fais cette petite affaire-là pour moi, là. Je vais te donner un petit territoire. Une couple de kilos chaque année. Juste comme au bon vieux temps. Pas faire ça avec mon monde. Non. Ça va rester entre nous autres. Snapper va aller t'aider. Fais ça pour les kits. On va faire plus que ça. Ton horoscope, je pense que je vais le faire laminer. Plus pour toi, mon mêlé. Business. On s'en reparle plus tard. Regarde ça, toi. 1 million en une semaine. Faut que je trouve quelque chose d'heavy. Ah ouais? Moi, il faut que j'en trouve plus que ça. Ben plus que ça. Faut qu'il y ait quelque chose. Quelque chose qui rend fou. Ah oui? Toi! Toi, tu me rends fou. Puis moi, avec, tu me rends fou. J'en ai plein le cul, man. J'en ai plein le cul de toi, puis ton Bob Derrell. Mais pas moi, j'en ai pas encore assez. OK. Tu veux qu'on en parle? On va en parler. Dans le fond, tant que Christ et Matadores, non? Honnêtement? Ouais. Pour toi, il y a juste Durel qui compte. Absolument. Ouais. Tu te trompes. Tu te trompes, man. Pas à peu près. Mais non. C'est toi qui comprends pas. Si t'as une patch dans le dos, c'est juste à cause de Durel. Sais-tu combien de fois j'aurais pu te tuer? Je l'avais, là, juste devant moi. Puis tirer le gars d'à côté. De quoi tu parles? Durel, c'est mon jouet. Puis je veux jouer avec. Je le vois souffrir. Le regarder planifier son prochain move en se cachant parce qu'il a peur. Après, moi, le tuer. Tu vois ce que tu voudrais que tes matadorais, je m'en sac. Ah ouais? Tu peux me l'écrire, ça? Oui, c'est ça. Je l'ai. On a dû y penser avant. Ça va le rendre fou, le tabarnak. Ouais. C'est Ross. Écoute, faut que je te voie. Tout seul. Puis quand je dis tout seul, je veux dire tout seul. J'ai une proposition à te faire. Une offre que tu pourras pas refuser. C'est bon de bord. Bye. Asti qui va virer fou. Merci.
me le dis, tout seul. Ben oui. Aussi tout seul que toi, hein. Au moins dire bonjour. C'est ça, ouais. Et si tu veux? Moi? Ouais. C'est toi qui veux ta revanche. Tout d'un coup, on va se débarrasser de toi bien assez vite. C'est pas de ça que je parle. Je parle de Garcia, là. Tu sais, le fighter. Je sais qu'il t'en a crissé une bonne dans le ring l'autre fois, là, mais c'était pas fair. Avec tous les patchs qui étaient là. Non, je sais que t'es un meilleur fighter que ce qu'on a vu l'autre soir. Fait que si tu veux ta revanche. C'est quoi, là? T'es rendu son gérant, cette heure? Si tu veux. Ben, toi pis moi, je me sens à mal suivi. Si tu me promets que je verrai pas une patch là-bas, moi, Chris, une volée à Nutter. Tu me promets même ma fille, c'est un deal. C'est pas Bob. Peut-être qu'ils ont réglé les problèmes qu'ils avaient à régler. Ouais? T'es-tu doute, c'est ça que tu fais? Tu vas pas une astuce de traiter de pingue, hein? Ils m'ont passé une crosse pour piler tes biens. Le pire visage à deux faces que j'ai jamais vu. Drell! Check out time. La femme de ménage s'en vient. Sors tout de suite. Quoi? J'ai dit tu sors. Il y a trop de monde, les parents. C'est ça qu'ils me disent, en tout cas. J'ai encore vite celle de libre. Fouille-moi. Tiens, regardons ça, qui c'est qui est là? C'est quoi, cette affaire-là? Hey, moi avec, ça va bien, Bob. En pleine forme. Laisse faire la bullshit. C'est quoi, ça? Aucune idée. Tu sais pas, hein? Il m'a appelé pour un match revanche avec Garcia. C'est tout ce que je sais. Tu correct avec toi? C'est vrai, c'est un setup. Pourquoi ils t'ont relâché si vite? T'en faisais pour moi, tu sais, que le paquet de cash que je perds sur la rue à cause de toi. Durel, tu vas m'écouter. C'est moi qui s'occupais de tes affaires pendant que t'étais en temps. Prends ça court. On a autre chose à faire. C'est qui ça, on? Ceux qui se promènent pas avec un gun sur eux autres pour aller passer des vacances en prison. C'est eux autres, on. Fais attention à ce que tu dis, toi. Monsieur Club m'aide à dormir pendant des semaines, mais il sait tout ce qui se passe en dehors. Ben Bob, ton petit problème, là. Il l'a réglé. Ah ouais? Ouais. Le 1000 kilos, il est rendu à Montréal. Hey! T'es pas capable de livrer. C'est bien que quelqu'un le fasse. C'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as perdu le contrôle, man. C'est ça qui se passe. Excuse, je voulais pas te déranger. Je suis juste venu chercher mon char. Ouais, j'ai su que t'étais sorti. Tu veux-tu prendre un café, quelque chose?
Non, c'est correct. Je suis capable. Mais tu peux t'asseoir si tu veux. J'ai beaucoup réfléchi, Bob. Puis, je vais accoucher bientôt. Puis pour les enfants, mais surtout à leur âge, là, c'est pas toujours facile. Je t'écoute. Si tu veux, tu pourrais dormir au sol pour un temps, là, puis... si tu veux, on pourrait repartir de là. Je vais tout faire pour que ça marche. C'est ta vie, Bob, puis je veux rien savoir de tes affaires, tu sais. On verra où ça va nous mener. T'aurais dû m'appeler, on aurait cancellé. Pourquoi? La police n'est pas après toi aussi, hein? C'est quelque chose à boire? Ah. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu sais à propos de mon arrangement avec Vasquez puis du meurtre de Duarte? Je sais ce qu'un gars devrait savoir. OK. Écoute, je veux que tu parles à Vasquez. Tu lui demanderas... Qu'est-ce qui te fait croire que j'entretiens les relations d'affaires avec lui? Sal, prends-moi pas pour un fou. C'est Bob. Juste pour qu'on se comprenne bien, toi et moi. C'est quoi ton problème? J'avais un arrangement avec Vasquez. Puis Pietro, ton ex-boss, il m'a demandé une faveur. J'ai fait ce qu'il voulait. Attends un petit peu, là. On t'a demandé une faveur? Vous vouliez la paix? C'était pas une faveur, ça, Bob. C'était un ordre de beaucoup de gens qui en ont plein le dos de voir comment tu mènes ta business. Il y a bien du monde en maudit de mon bord de la clôture à moi aussi qui attendent pour avoir leur stock. Sais-tu, ça fait combien de temps que Vasquez m'a pas fourni? Sais-tu combien je paye par jour? T'as un problème avec Vasquez. Règle-le avec lui. En quoi ça me regarde, ça, moi? Écoute, ça, prends pas ça personnel, OK? Je sais que t'es pas assez fort pour faire de pression sur personne. Mais t'as besoin de dire à ton monde que si j'ai pas ce qu'il me faut, ça risque de mal tourner. Laisse-moi parler à des biens.
des biens. Mon ami Bob, il est où? Bob, c'est juste un petit joueur là-dedans. Il y a eu un problème avec ses enfants, quelque chose de même. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pas grand-chose. Juste te dire que notre deal est off. Pas de problème. Correct, y a rien. Qu'est-ce que tu faisais avec un dossier sur moi dans ton bureau? C'était juste des coupures de presse, Carole. Ah. Je voulais les conserver pour une occasion spéciale. Ah, quelle occasion spéciale? Mon épitaphe politique? Ça aurait pas dû se produire, tu sais. Le mandat, c'était pour les affaires de Bob Durrell. Je te pose une plainte en déontologie. Non, monsieur, tu m'as causé assez de problèmes comme ça. Je reculerai pas, non. La loi sur les profits de la criminalité, on va la passer. Peu importe ce qui arrive. C'est ta décision. After all, you're the minister.
Mais tu vas te faire bien des ennemis. Même les gens de ton parti commencent à jaser. Tu vois rien. Hein? De l'argent sale, il y en a partout autour de toi. T'es en train d'ouvrir un panier de crabes. J'ai une job à faire, puis je vais la faire. Puis si jamais t'as autre chose sur moi, fais-les disparaître. Y compris mon numéro de téléphone. Faut que j'aille me faire soigner. Il y a une balle dans le bas. Tu veux-tu que j'y aille avec toi? Il... Non, non, on va arranger. Bon, ben, prends bien soin de toi, mon mêlé. Puis merci pour tout. Chris, il faut qu'on se parle. C'est toute ta faute. C'est toi qui m'as forcé à aller avec Roots puis t'as backé à dernière minute. Je me suis fait arrêter, c'est tout. T'as fait exprès. C'est du Bob Durrell tout craché. Oh, t'es tellement épais. Roots. T'es-tu déjà demandé pourquoi il voulait être chum avec nous autres? Pourquoi il voulait être à côté de nous autres? Tant qu'il était dans un autre chapitre, c'était correct, ça nous inquiétait pas. Mais si on est dans le même chapitre, le chapitre national, ben là, one vote, I'm dead, that's why I didn't show up! Ils peuvent te faire ça à toi, mais ils peuvent pas me le faire à moi. Je voulais que tu sois avec ces clowns-là, pour savoir ce qu'ils préparaient. T'aurais dû me le dire. Toi? J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de Roots. J'ai pas besoin du chapitre national. Ton 25%, c'est 25% de rien. Je veux plus te voir sur mon territoire. Jamais! Je te vois! Je te tue! C'est ça. Juste toi, ton bâton, puis ton rat dans notre coin. Je t'ai traîné durant des années, you son of a bitch. Je t'aurais même pas pu vendre des fleurs sans moi. OK. Je vais m'en souvenir quand ce sera le temps de t'envoyer des fleurs. We'll be right back.